Être propriétaire de chevaux, c'est cool, ça fait rêver tout le monde. Oui, mais être propriétaire de chevaux, c'est ramasser du crottin suivant le nombre de chevaux tous les jours ou tous les 2 jours. Bon, tous les 3 jours, si vraiment vous avez très 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 grand. C'est aussi veiller à ce qu'ils aillent bien, c'est d'ailleurs la première chose qu'on fait le matin en se levant. Donc quand tout va bien, c'est ça, ramasser le crottin, mettre du foin, remettre de l'eau, vérifier que tout va bien, qu'il y a bien du jus dans la clôture. Voilà. Et quand ça va pas bien, bah, faut gérer l'urgence, car un cheval, c'est en général, dans l'urgence. Donc finalement, on ne monte pas souvent sur son cheval. Bon, il faut quand même s'imposer des moments où on prend du temps pour son cheval, mais on peut être vite débordé. Surtout quand on a un cheval comme Étoile, qui a besoin d'un suivi régulier. Là, c'est Vivaldi. Je viens de ramasser leur crottin et ils en ont déjà fait partout. Faut garder le moral. Je vous souhaite une belle journée.